connaissait Carcassonne parce qu'on était venu en vacances quand on était petite, mais le festival on le connaissait de nom mais on n'y était jamais venu, donc c'est la première fois, on est très heureuse. Il fait chaud mais c'est cool. Le lieu il est super beau, nous toute l'année on adore jouer dans des lieux un peu différents, jouer dans des théâtres, sur des scènes nationales, en plein air et puis dans des lieux comme ça c'est hyper bien. Moi j'aime trop voir le ciel quand on joue et puis pouvoir respirer un peu d'air, je trouve qu'on se sent beaucoup plus libre sur scène et je crois le public aussi se sent mis en extérieur, enfin je présume. Principalement nos derniers albums, mais finalement on a mis un peu ce qu'on préférait de tous les derniers albums, plus quelques inédits comme par exemple Game of Thrones qu'on n'a pas encore enregistré mais qu'on fait maintenant dans la tournée et puis qu'on adore. Donc ouais, c'est vraiment les pièces qu'on préfère puis qu'on a vraiment envie de montrer au public, puis sont festives parce que c'est l'été, donc faut faire quelque chose d'un peu vivant et puis festif. Donc voilà, c'est ce qu'on a choisi. De plus en plus de personnes venir au concert et nous dire que c'est la première fois qu'ils viennent au concert classique en tout cas, et ça fait vraiment plaisir parce que les gens nous disent, en fait on se rend compte que c'est cool et puis qu'il n'y a pas forcément tous ces clichés et les codes qu'on pourrait imaginer avec la musique classique, et qu'au final il y a des titres, il y a plein de choses différentes et au final on peut tous apprécier certaines pièces, et puis il y a plein de musiques que les gens connaissent sans le savoir comme les musiques de films, et puis voilà, donc il y a plein de choses dans la musique classique que tout le monde connaît au final.